C'est la question qui divise dans un éclair de Guénie. C'est le phénomène de ces vacances. Le magazine Society a sorti une grosse enquête sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. C'était un carton, ils ont été dans les détails. Pendant 4 ans, ils ont travaillé d'arrache-pied à plein temps pour sortir cette enquête. Et là, on voit plein de documentaires de sortir sur Netflix. Encore hier, avec Un homme ordinaire, c'était une fiction avec Arnaud Ducret, effectivement, qui réinterprète plus ou moins cette affaire de Ligonnès. Alors la question est très simple, est-ce qu'on en fait trop avec cette affaire? Oui ou non? Vous répondez sur les réseaux. Et Anthony, est-ce que tu as déjà une idée là-dessus, hein? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on en parle trop? Est-ce que les médias en font un peu à toute leur sauce? Vous savez, les médias, ils vont là où les gens vont consommer. Donc c'est une affaire qui est tellement palpitante, tellement pleine d'énigmes. On ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est vivant? On en apprend toujours un peu plus. Vous avez dit 4 ans d'enquête sur Society. Il y a plein de détails étonnants, croustillants. Enfin, c'est tout sauf pudique, oui, cette enquête. Ouais. Et les gens sont passionnés. On adore les faits divers. Et donc, oui, les médias ont raison de continuer à faire. Tant que le filon marche, pourquoi ils s'en priveraient? En faire, mais au bout d'un moment, l'histoire, elle existe depuis presque 10 ans. Oui, mais les Français sont passionnés. Par exemple, la semaine dernière, Jean-Marc Morandini a fait un crime en direct spécial Xavier Dupont de Ligonnès. Ça a cartonné, c'était l'une des meilleures audiences. Bon, la saison vient de reprendre, certes, mais ça a cartonné et c'était en direct. Évidemment que nous, en tout cas moi, en tant que Français, j'ai envie et j'ai un avis sur la question. Mais oui. Moi, je pense qu'il a envie. On a tous enquêté. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à l'aéroport. Je l'ai croisé. Il y avait une comme quoi il aurait été aperçu, il me semble, aux États-Unis. Oui. Exactement, avec une photo où on s'est dit oui, c'est sûr que c'est lui. Enfin voilà, je sais pas, mais on a tous un avis, évidemment, qu'il faut des films et il faut encore plus de documentaires. Des beaux. Il y avait carrément un doc qui était sorti et qui avait été produit par un producteur américain. Oui, et quand il est sorti aux États-Unis, il y a une personne qui dit l'avoir reconnu, que ça aurait été un de ses voisins, etc. Et du coup, l'enquête a commencé à reprendre de ce côté-là dès qu'ils ont diffusé l'épisode. Sauf que le magazine Society a dit qu'ils n'ont jamais autant reçu d'appels, du coup, de téléphone, de personnes. Je crois l'avoir aperçu ici. Mais il y a des groupes Facebook, etc. Le mec est complètement invisible et n'existe pas dans la société. Non, mais moi, je trouve que c'est une honte. Franchement, je suis vraiment gênée par toute cette médiatisation de l'affaire parce que, en fait, ça devient un objet de fascination. Le mec est limite une idole. On se dit, waouh, il a échappé à la justice. Je vous rappelle quand même que le mec a tué sa... D'appels, du coup, téléphone, de personnes. Je crois l'avoir aperçu ici. Mais il y a des groupes Facebook, etc. Le mec est complètement invisible et n'existe pas dans la société. Non, mais moi, je trouve que c'est une honte. Franchement, je suis vraiment gênée par toute cette médiatisation de l'affaire parce que, en fait, ça devient un objet de fascination. Le mec est limite une idole. On se dit, waouh, il a échappé à la justice. Je vous rappelle quand même que le mec a tué sa femme et ses enfants. Enfin, il est soupçonné d'avoir tué sa femme. On l'oublierait presque pas. C'est pas si c'est présumé, en tout cas. Moi, quand on me dit, waouh, c'est génial, il a réussi à s'échapper. Moi, je rêve qu'on le retrouve. On dit pas ça, waouh, il a réussi à s'échapper. Ah bah on dit, l'histoire est dingue. C'est juste, est-ce qu'il est en vie, est-ce qu'il est pas en vie? Évidemment que si c'est lui et que c'est prouvé et qu'on l'arrête, évidemment qu'il faut qu'il aille en prison. C'est dingue qu'un père de famille français de Nantes ait pu comme ça échapper à Interpol, à la justice entière, en tuant toute sa famille et en se barrant. Et on a envie qu'on le retrouve. Pas tout, mais en tout cas, c'est ça, la côté malsain. Alors, toutes les émissions de crime, par exemple, Crime sur Énergie 12, c'est mon avis, mais bien sûr. Sur Netflix, c'est aussi malsain. Je te dis que c'est un côté malsain. Et aujourd'hui, on oublie limite un petit peu les valeurs humaines que peuvent avoir des documentaires parce que l'attrait va au-dessus des valeurs humaines aujourd'hui. Et donc, on se soucie uniquement de l'attrait et plus finalement de la nature du documentaire. Les gens ça me gêne tout comme précis. Sur Nat Geo, il se préoccupe beaucoup de la nature. Il y a des émissions. Jusqu'où on est prêt pour avoir des audiences? Mais surtout, un intérêt du public. Regarde, ce qui fonctionne le mieux en fiction télé, ce sont les thrillers de tout le temps, les Columbo et autres. On est d'accord, Antoine? Oui. Ah, mais c'est votre seul argument depuis tout à l'heure. Une fiction, c'est un thriller. Bien sûr. Mais la plupart sont en prison, alors que là, lui est dans la nature, on ne sait pas. Ou mort, quelque part. Bah, mais alors, forcément qu'il y a une fascination par rapport à ça, mais tu sais, le nombre de fans qu'ont les plus grands criminels. Ah ouais. Luca Magnotta reçoit le dépeceur de Montréal, un nombre de courriers incroyable de fans qui vraiment le vénèrent. Il s'est marié en prison. Fournirait à rencontrer sa femme qui lui est crimée en prison pendant des années. Mais surtout je crois qu'il faut dire merci aux Parisiens. C'est-à-dire qu'avec la une de « on l'a retrouvé quand il a été chopé »,
soi-disant chopé et c'était pas lui. C'était en octobre 2019. Oui. Ça a quand même relancé beaucoup. Ça a relancé, certes, mais la Society, quoi qu'il arrive, devait bien sortir sûr, l'enquête. Ça, on est d'accord. Ça aurait été un mais carton c'était énorme. Aussi un super alignement des planètes. Qu'ils ont... Oui, pour... bien sûr. Pour même, tous les autres docs qui sortaient derrière. Déjà rien que ça, ça me gêne, un carton énorme. Mais c'est une réalité. Mais on fait, c'est l'investigation. Mais on fait du show, malheureusement, quand on fait une émission télé, quand on fait une émission de radio. Il y a différents types de show. Alors, on fait du show. C'est de l'investigation. Non, évidemment, non, mais évidemment qu'on ne questionne pas, évidemment que c'est dramatique. C'est pas du divertissement. Mais je suis désolé, c'est du journalisme d'investigation, c'est du crime et ça fonctionne. Donc oui. Oui, mais c'est votre seul argument, vous vous répétez tous depuis tout à l'heure. Le seul argument qui est autour de cette table, c'est oui, mais les gens aiment. Oui, mais derrière, si c'est une affaire terrible, on en oublie. Ça peut faire avancer l'enquête. Vous savez, là, pendant quelques jours, Afia raconte sa vie, j'ai travaillé sur Crime, la quotidienne, chez Jean-Marc Morandini, et je me suis occupée d'une affaire qui était encore en cours. On recevait en plateau les parents d'un jeune homme qui a été tué par sa copine, dont la copine est encore en liberté, relâchée, n'a pas du tout été incarcérée ni rien. Et les parents étaient là en plateau pour témoigner et pour demander à la justice de reprendre l'enquête et de refaire quelque chose. Je pense qu'il y a des émissions qui sont quand même d'utilité un peu publique, et pas avec lesquels on peut faire quand même avancer certaines affaires. Je suis sûre que quand on regarde des documentaires comme celui sur Xavier Dupont-Digonès ou qu'on lit des articles comme celui de Society, les enquêtes qui ont été publiées, c'est évident que c'est pour aussi avoir des infos et à droite à gauche, qui est demain des témoins qui se manifestent et qui viennent... qui viennent parler à la police et faire avancer un peu l'enquête. Ça n'a aucun intérêt. Charlotte, on t'a pas entendu. Est-ce que tu comprends cette passion pour les faits divers? J'entends les différents arguments des deux côtés, mais c'est vrai que c'est problématique. Je rejoins peut-être un petit peu Olivier. C'est moi, Olivier. Non, parce que tu montres. Non, je t'ai montré toi, t'inquiète, malgré ta petite chaise. Et Priscilla, où en fait c'est la réalité qui devient un peu fiction. Ouais. Et en fait, je comprenais ton argument, mais c'est vrai que le fait de t'entendre dire oui, mais ça marche, donc on fait, est un poil dérangeant. Mais je sais, vous êtes des gens de la télé, je ne le suis pas. Donc ça, c'est mon regard un peu extérieur. Où je me... Non, je ne suis pas magicienne non plus, mais... Tu traverses les miroirs. C'est le côté un peu... il faut faire du business, finalement. Bah, donc, non, mais c'est question de business dans la vie, pratiquement. Mais le business, bah, il faut qu'il ait l'éthique, le business. Je ne suis pas d'accord. Parlons au professionnel de l'audiovisuel. Antoine de Maxime. Oui, enfin, le professionnel, je ne suis pas le seul, mais... Est-ce que tu as suivi un peu cette affaire de Légonèse et le traitement dans les médias? Cet été justement dans la revue Society, je l'ai vu passer. C'est vrai que je l'ai pas lu. J'ai acheté les trois. Il disait produire en France. D'abord, il est vrai que le public fait beaucoup les programmes, contrairement à ce qu'on dit. Puisque quand ils suivent, les gens leur donnent ce qu'ils veulent. Et je dis d'ailleurs souvent, si la majorité des Français avaient envie de voir des films suédois sous-titrés en japonais, il y en aurait sur TF1. Exactement. Voilà, parce que TF1 et ces chaînes-là donnent ce que veut la majorité des gens. Bon. Indépendamment de ça, moi je trouve que l'histoire est exceptionnelle et donc j'ai envie d'en savoir plus, mais paradoxalement, je n'ai pas lu les articles. Mmh. Je n'ai pas pris le temps. Et j'étais pas débordé. Par rapport au débat, on est d'accord, Antoine, que même toi, dans ta série, les gens préfèrent quand ça se passe pas super bien. Ah bah ça, je l'ai constaté. Parce que quand ça se passe très bien et que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, l'épisode est bien. Mais quand ça dérape, l'épisode est mieux, je le sais. Mais je soutiens quand même que quand bien même j'ai acheté les trois Society et que je les ai lus, je les ai lus non pas parce que je suis fan de Xavier Dupont-Ligonnès, mais parce que je rêve qu'on retrouve ce pourri. Je rêve de savoir où il est, qu'est-ce qui devient, est-ce qu'il vit la conscience tranquille, les doigts de pied en éventail à Punta Cana, ou est-ce que... Juste avant de donner la parole, j'ai interviewé Pierre Aknin, qui est le réalisateur de la fiction qui est adaptée de l'affaire de Légonèse, qui a été diffusée hier sur M6. Il me disait, selon ses investigations, parce qu'il a travaillé quand même pendant plus d'un an et demi sur l'adaptation de cette fiction, selon lui, il est vivant, on l'aurait aidé, et il vivrait à l'étranger. C'est ce qu'il développe dans le quatrième épisode qu'on verra la semaine prochaine. Il y a cette histoire de secte de... Oui. Catholique. Ouais, mais bon, c'est pareil, j'en ai entendu parler, j'ai pas lu. Dont faisait partie sa maman. Yannick. C'est peut-être pour ça que j'ai pas lu d'ailleurs. Pour moi, quoi qu'il arrive, que ça soit dramatique ou non, quand il y a le tampon histoire vraie, ça fonctionne. On le voit au cinéma, dès que c'est inspiré d'histoire réelle, de faits réels, ça fonctionne. Là, ils font un téléfilm inspiré de faits réels, ça va cartonner, c'est sûr. TF1
avec Grégory Lemarchal, le biopic, a cartonné plus de 7 millions de téléspectateurs. C'est pas le même message, c'est pas la même intention, c'est pas comparatif. C'est la même histoire, c'est histoire vraie. Oui, c'est histoire vraie, bien sûr. Mais on peut pas comparer entre les deux contenus. Avec Grégory Lemarchal, il y avait un accompagnement, il y avait un reportage avant. Il y a un message. Il y a un accompagnement, un message. Là, le problème, c'est qu'on le présente trop comme quelqu'un qui a fait quelque chose d'exceptionnel, alors que je suis désolée. Il se présente comme un tueur. Moi, je trouve que. Il n'est pas glorifié dans aucune des enquêtes, au contraire. C'est pas. Pas spécialement un reportage. Là, oui, il était héros. Mais quand vous en parlez, vous dites ouais, c'est incroyable ce qu'il a fait. Mais l'épopée est incroyable, pas l'homme. C'est incroyable que la justice n'ait pas réussi à mettre la main sur un mec qui a tué sa femme et ses enfants. Enfin, c'est ça qui est quand même effrayant. Je trouve qu'il faut vraiment accompagner. Et c'est chiant, ça peut pas être. Dernière intervention. Dernière intervention, Déborah disait ça fait avancer l'affaire. Ça serait honteux de dire que ça a été fait pour faire avancer l'affaire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pour faire de l'argent et c'est tout. Non mais, Déborah, Après que les journalistes fassent leur enquête, c'est totalement légitime. Oui, non mais bien sûr, mais ça n'a pas été fait pour ça. Rôle.